prévu. Alors, je vous reviens avec l'identité des deux joueurs, mais on m'informe qu'il y aura très assurément des changements là, sur la présence des deux joueurs présents au Zoom cet après-midi. Entraîneur-chef du CF Montréal, Wilfried Nancy, se joint à nous. Je vois déjà quelques mains qui sont levées. Merci. Salut Wilfried. Salut. Ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, ça va. Merci de prendre le temps comme d'habitude. Frédéric Gay, pour commencer. Oui, bonjour Wilfried. Peut-être une question sur le fait que, bon, évidemment, c'est pas une surprise, le calendrier sera très chargé d'ici la fin de la saison. Est-ce que c'est une possibilité qu'un Matko Miljevic ou qu'un Ismaël vienne en renfort? Merci. Oui, oui, bien sûr. À partir du moment que tout le monde s'entraîne dans le groupe, tout le monde est disponible. En fonction de l'évolution, en fonction de ce que je vois, bien sûr que ça peut être des joueurs qui peuvent nous aider pour, jusqu'à la fin de la saison. Dave Lévesque. Bonjour Wilfried. J'aimerais avoir ton point de vue sur le boulot de Georgi Mihailovic. Il apporte beaucoup de dynamisme à l'attaque et c'est peut-être un profil de joueur qu'on n'avait pas nécessairement dans l'équipe depuis quelques années. Aimes-tu ce que tu vois de lui, sa progression? Je présume que la réponse est oui, mais j'aimerais quand même que tu développes, bien entendu. Ah, bien entendu, j'aime ce qu'il fait. On est parti, on ne se connaissait pas. Enfin, je le connaissais en tant que joueur, comme je l'avais dit la première fois qu'on s'est vu, que j'avais déjà été impressionné. Je me rappelle, j'étais entraîneur adjoint et je vois un petit jeune de, je crois, de 17 ans, quelque chose comme ça, qui prend les coups de pied arrêtés. Ils avaient joué à Chicago, ils avaient joué contre nous au Stade Saputo. Et donc, je m'étais posé la question, waouh, un petit 17 ans qui prend déjà les coups de pied arrêtés, ou très jeune, je ne me rappelle pas son âge exactement. Donc, du coup, Georgi, voilà, c'est Georgi. Il montre un peu sa palette, il montre sa capacité à faire jouer les autres, à essayer aussi de créer du danger chez l'opposition. Le challenge que j'ai avec lui, c'est maintenant de trouver, d'être,
de progresser encore dans la prise de décision. Quand est-ce que c'est le moment de frapper, quand est-ce que c'est le moment de faire la passe, quand est-ce que c'est le moment de dans le dernier tiers, parce que je pense qu'il peut s'améliorer dans ça. C'est quelqu'un qui, au niveau des efforts, qui, quand on est dans les matchs, qui va courir ses 12 à 13 km par match, qui est aussi au niveau de la vitesse, c'est intéressant. Maintenant, il connaît ses faiblesses, on est en train de travailler dessus, et en même temps, il a encore une bonne marge de progression, mais je suis content de ce que je vois pour l'instant. Jeff Morancy. Oui, bonjour Wilfried. J'ai deux petites questions. Première sur l'alignement. Dans le fond, Zachary Brouguyard est à Lyon présentement. Est-ce que c'est simplement un repos? Je voulais une précision sur Thomas Giraldo qui s'est fait opérer là, il n'y a pas longtemps. Est-ce qu'on prévoit le ramener en U23 ou il va retourner à Edmonton? Et finalement, sur le match Chicago, une victoire en 5 matchs, un but à ses 4 derniers matchs. Blanchi dans les 3 des 4 derniers matchs, mathématiquement, sont dus pour connaître un gros match? Bon, il y a trop de questions, là. Ouais, une à la fois, s'il vous plaît, Jeff. On peut commencer par la première. Oui. Une question à la fois. Au pire, je vous donne la possibilité d'en reposer. Si tu veux, après, je peux enchaîner, mais tu peux reprendre encore. Mais là, il y a trop de questions, là. J'ai eu un entraînement. Pas de problème. Première question, Zachary Brouguyard est à Lyon. Est-ce que c'est simplement un repos pour lui? Non, il a un problème personnel, donc je vais laisser quelques jours pour régler ses affaires. Excellent. Thomas Giraldo, est-ce qu'il va revenir avec les U23 ou tourner à Edmonton? Ben, il est blessé en ce moment, il est toujours blessé, il est en pleine éducation, donc il travaille bien avec le staff médical, donc en espérant que sa blessure puisse accélérer un peu, parce que j'ai hâte de le revoir sur le terrain, mais pour l'instant, il est en soins et en réathlétisation, j'ai envie de dire, réhabilitation. Excellent. Dernière question, c'était Chicago. Une victoire en 5 matchs, un but dans les 4 derniers matchs. Blanchi à 3 de ses 4 derniers matchs. Mathématiquement, ils vont être dus pour connaître un gros match. Ouais, surtout que j'ai regardé leur dernier match contre DC. Le score de 3-0 est sévère. Parce qu'ils ont deux grosses occasions où le but est ouvert, dont un l'arrêt fait un bel arrêt, mais ils auraient pu revenir à 2-1 très rapidement, en les 15 premières minutes, me semble-t-il. Après, oui, DC a contrôlé le match en deuxième, mais attention, comme je dis souvent, Chicago, ils ont changé de système. La première fois qu'on les a joués, ça n'a pas été un bon match de notre part, mais on avait quand même gagné ce match-là. Donc là, maintenant, ils vont venir chez nous pour ramener des points. Donc, nous, comme d'habitude, on va mettre quelque chose en place, mais rester concentré et pour ramener cette victoire chez nous. Jérémy Filosa. Salut, Wilfried. Pour revenir un peu sur le dossier de Georgie, ouais. Bien sûr, il connaît une belle saison cette année. Bon, il y a des rumeurs qui circulent à l'effet que des équipes d'Europe s'intéressent à lui. Je sais que vous ne commenterez pas les rumeurs, mais de ton expérience d'entraîneur et de ce que tu vois sur le terrain de ce joueur, est-ce que c'est un gars qui est voué éventuellement à poursuivre sa carrière en Europe à court et à moyen terme, ou est-ce que selon vous, c'est un joueur au profil parfait MLS qui gagnerait à demeurer ici? Non, la discussion avec Georgie, elle a été claire dès le début. Commencer à tous me connaître maintenant, j'aime bien mettre les choses au clair. Et Georgie, il est ambitieux. Et moi, je suis ambitieux pour lui. Je suis ambitieux aussi pour moi. Je suis ambitieux pour le club. Donc, encore une fois, comme je dis souvent, joueurs meilleurs, ils vont être bons individuellement. Meilleurs, ça va être pour le collectif. Et ça va être bon pour le club. Et ça va être bon pour eux. Donc, Georgie, si demain, ou n'importe quel autre joueur encore, si demain, là, on parle de Georgie en l'occurrence, il continue à progresser, il continue à s'améliorer sur ses points forts et ajuster ses points faibles. C'est tout à fait normal qu'il y ait des clubs qui s'intéressent à lui. Et encore une fois, après, ça sera le club qui prendra la décision de savoir est-ce que c'est bon pour lui ou pas de partir. Mais moi, en tant qu'entraîneur, mon rôle, bien sûr, c'est de gagner des matchs, on le sait tous. Mais c'est dans un premier temps, pour moi, c'est de faire progresser les joueurs. Et aujourd'hui, si
je peux participer un tout petit peu à l'éclosion de Georgie et qu'il ait une belle carrière devant lui, que ce soit en Europe ou ailleurs. Tant mieux pour lui. Mais pour l'instant, il est chez nous. Je suis content qu'il soit là. J'espère qu'il va rester quand même avec nous un certain nombre d'années. Et bon, après, s'il doit partir plus tôt, il partira plus tôt. Mais il a le potentiel. Pour... Vas-y, Raphaël. Merci beaucoup, Pat. Bonjour, Wilfried. Les matchs s'enchaînent, on en parle assez souvent. Vous savez, un petit problème en défense centrale où il n'y a pas assez de personnes qui sont là, en tout cas avec la blessure du nouveau joueur dont le nom m'échappe. J'ai du mal à prononcer son nom, je suis désolé. Comment on va faire avec cette accumulation de matchs avec trois défenseurs centraux de métier? Est-ce que Kiki Struna, par exemple, est de retour? Est-ce qu'il est disponible pour vous dès dimanche ou il va falloir attendre encore un peu? Est-ce que je vais jouer comme Sampaoli à l'époque quand il était à l'université du Chili et jouait avec un seul attaquant? Bon, un seul défenseur, pardon, et tout le reste des attaquants? Non, bien sûr que j'essaie d'anticiper un peu les choses, mais pour l'instant, j'ai envie de dire grâce au match que l'on a joué contre Orlando. Les données data ne sont pas très élevées pour les défenseurs centraux. Donc, du coup, répéter les matchs pour l'instant, ce n'est pas un problème. Donc, mais c'est sûr que je réfléchis déjà pour voir quelles seront les possibilités, sachant qu'il peut y avoir aussi des joueurs qui peuvent être suspendus aussi. Donc, un beau casse-tête, comme d'habitude. Gavino de Falco. Merci beaucoup. Juste deux petites questions, Wilfried. Zachary Broguillard, est-ce que c'est une durée indéterminée? Est-ce qu'on connaît la durée de son absence avec le club? Il ne sera pas disponible pour le match, ce match-là. Il sera de retour après. Parfait. Deuxième question. Lassie Lapalainen a connu quand même un bon match dans la dernière demi-heure de jeu. Par contre, on l'a utilisé à l'attaque depuis le début de la saison. Il faut dire que vous avez la main heureuse avec vos changements. Est-ce que ça fait en sorte que Lassie Lapalainen, qui a marqué un but en attaque, ça fait en sorte que peut-être l'aventure comme piston à gauche est terminée? Comment vous voyez ça? J'ai ce que ça m'a donné que j'avais deux options. Donc, j'en doutais pas. Lassie, pour ce match-là, j'avais besoin, on a discuté avec le staff, et je voulais le faire rentrer en attaque parce qu'on avait besoin de courses en profondeur, donc c'est son profil. Donc, Lassie peut jouer dans le couloir, il peut jouer aussi en attaque, donc, j'ai ces deux options-là, donc je verrai en fonction de l'opposition. Mais je suis content de la rentrée de Lassie. Il a joué 30 minutes, comme vous l'avez dit. Il a marqué son but, mais il sait que physiquement, il a besoin encore de minutes. Il faut juste qu'il reste en santé parce qu'on aura besoin de lui pour les matchs qui arrivent. Pour ça, avec Michel Lamarche. Merci, Patrick. Bon après-midi, Wilfried. Dans le match de mercredi, deux joueurs sont rentrés en substitut, ont marqué des buts, Lapalainen et Ibrahim. Vous avez marqué plusieurs buts cette année avec l'aide de vos substituts. J'aimerais savoir, dans votre optique, jusqu'à quel point ce rôle-là est difficile d'entrer dans un match à la 70e minute, par exemple, ou un peu plus tôt ou un peu plus tard. Qu'est-ce que ça exige? Puis à quoi vous vous attendez quand vous envoyez un substitut sur le terrain? Évidemment, ça dépend de la situation du match, là, je comprends ça. Mais c'est quoi vos attentes par rapport au substitut? Ben, mes attentes sont élevées. Comme je le dis aux joueurs, quand je présente l'équipe, savoir le 11 de départ, je nomme très rarement les joueurs qui commencent. Je nomme ou je porte attention sur les joueurs qui sont sur le banc. Parce que je pars du principe que les joueurs qui sont sur le banc, ce sont des joueurs qui sont importants et pour nous aider à terminer le travail qui a été fait auparavant. Donc, je m'attends à ce que les joueurs qui rentrent apportent une énergie positive, apportent une énergie. On doit sentir qu'ils amènent quelque chose, que ce soit sur l'aspect défensif ou offensif. C'est pour ça que j'avais déjà eu des discussions auparavant, exemple avec Mason et Georgie, quand ils étaient rentrés
lors de quelques matchs, je me rappelle plus lesquels. Leur rentrée, je n'avais pas été satisfait de leur rentrée parce qu'ils n'avaient pas apporté l'énergie nécessaire. Donc voilà, donc c'est un bon exemple avec Lassie et Sinou sur le fait que là, ils sont rentrés. C'est des attaquants, donc du coup, ils ont eu un impact immédiat, on va dire. Mais je m'attends aussi, j'ai aimé aussi la rentrée de Manu qui, dans son registre, par exemple, en allant visiter, est-ce que l'on fait rentrer Manu ou Hamdi dans un premier temps? Et pour vous donner un exemple, comme ce match-là était ouvert, on avait besoin de faire circuler la balle. C'est pour ça que Manu aussi est rentré, parce que Manu, c'est un bon passeur. Donc, en fonction des caractéristiques des joueurs, je prends une décision pour savoir lequel va nous aider. Des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas. Dave Levesque. Oui, Will, en l'absence de Zach, est-ce que tu es plus tenté de mettre Zoran sur le flanc droit ou peut-être de Mathieu Choignard qui a pris plusieurs répétitions dans ce couloir-là et de mettre Zoran sur le côté gauche? Est-ce que ta décision est arrêtée? Non, pas du tout. J'ai trois options. J'ai Zoran, Kiza et Clément Bayard. Donc, on a encore l'entraînement de demain pour voir un peu les décisions que je vais prendre par rapport à ça. Frédéric Gay. Merci à nouveau. Peut-être juste un update, disons, de 0 à 100, là, Kyoto, physiquement, il se sent comment en ce moment? Je sais qu'il a débuté le dernier match, mais juste parce qu'il a quitté, juste savoir il en est où. Et je vais préciser ma question par rapport à Ismaël et aussi à Matko. Je comprends qu'ils peuvent vous aider parce qu'ils sont disponibles, mais est-ce que vous voyez en eux des gars qui peuvent vraiment avoir un bel impact pour cette fin de saison, là, d'après ce qu'on a vu, entre autres, avec les U23? Romel, il est bien. Il est bien. Sur ses temps de passage, il est bien, sachant qu'il a été absent pendant longtemps, qu'il a enchaîné aussi le match de son équipe nationale. Donc, il monte en puissance. Donc, il sera prêt pour les prochains matchs. Après, c'est à moi de faire attention avec l'accumulation des matchs. Et Matko, je suis content. Il a joué avec les U23. Il a pu avoir du rythme au niveau du jeu. Il a été intéressant. Donc encore une fois, c'est. J'aime pas me précipiter quand un joueur arrive de le mettre directement parce qu'encore une fois, il doit voir les choses. Mais en réflexion, on verra un peu est-ce qu'il va rentrer un peu plus tôt. Je verrai. Mais après, par rapport à Ismaël, pareil, U23, il a été intéressant aussi, comme Rida aussi. Donc encore une fois, ce sont les joueurs qui vont nous apporter. Quand, ça, je ne sais pas. Je compte sur eux. Et on conclut avec Wilfried cet après-midi, une dernière de Michel Lamarche. Merci de nouveau, Patrick. Juste pour faire suite à votre réponse, Wilfried, à ma question. Jusqu'à quel point le rôle de substitut est difficile et ingrat? Parce que j'essaie d'imaginer rentrer dans le rythme d'un match au lieu de commencer le match puis de se joindre au rythme. Est-ce qu'il y a une difficulté particulière pour un joueur qui rentre à la 70e minute, par exemple, de s'imprégner à ce qui se passe sur le terrain rapidement? Oui, totalement. Après, ça dépend des joueurs individuellement. Il y a des joueurs qui ont un peu plus de facilité à rentrer dans le match. Je vous donne un exemple concret. Un jeune, rentrer dans un match, que ce soit 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, il n'y a pas de souci. Après, un joueur avec un peu plus d'expérience, est-ce que rentrer dans un match un peu plus tard ou le faire commencer le match, qu'est-ce que l'on fait? Je vous donne un exemple concret. Nacho Piatti, je reviens sur Nacho, comme ça vous allez bien comprendre ce que j'essaie de vous expliquer. On s'est toujours posé la question, est-ce que c'était plus intéressant de faire jouer Nacho en étant fatigué 45 minutes et après on le sort, ou de le faire rentrer les 20 à 30 dernières minutes? On n'a pas eu la réponse, mais il avait plus tendance, il préférait commencer les matchs. Donc après, c'est un état d'esprit. Mason, je donne un autre exemple, je me suis assis avec lui, comme je vous l'ai dit, j'avais pas trop aimé une des rentrées qu'il avait faites. Il n'avait pas pris conscience que il n'était pas dans la même optique que quand il commençait les matchs. Donc, mon travail, ça a été de lui montrer qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que je n'ai pas aimé, pour que justement, en l'occurrence, un attaquant, quand il rentre, le match peut changer la donne parce qu'il peut marquer un but. Pour un défenseur, c'est un peu plus ingrat, mais en même temps, c'est une question d'état d'esprit.
on gagne des matchs ou un championnat ou sur une longue saison avec tous les joueurs. Moi, c'est ma façon de voir les choses. Il y a des entraîneurs qui préfèrent rester avec 14-15 joueurs. Moi, je pars du principe qu'un joueur qui sort du banc et qui amène une plus-value est très, très, très important pour moi parce qu'il rentre dans le projet collectif que je vais mettre en place. Donc, tous les jours à l'entraînement, on travaille et on discute aussi avec les joueurs pour qu'ils se sentent importants dans le groupe, chacun à son niveau. Merci beaucoup, Wilfred. Merci à vous. Alors voilà pour Wilfred Nancy. Je vous avais dit avant le début là, qu'on brassait les cartes un petit peu avec les joueurs. Je peux vous dire que Joel Waterman va être ici, première des choses. Et stand-by pour la suite. On m'informe que ce n'est pas encore décidé officiel là, pour l'identité du deuxième joueur. Alors je vous tiens au courant dès que j'ai des nouvelles. Et il est déjà là. Joel Waterman is with us now. Joel, how are you? Good, how are you guys? Good, good. Thanks for your time. There's the first question for you this afternoon, Dave Levesque. Hi, Joel. As the games are piling on for you guys, was it some sort of a blessing to have played a pretty good part of the game against a team that was one man down on Wednesday? Yeah, I mean, to be honest with you, I think I got harder when they went down a man. I think mentally, you know, it's hard to stay in those games when you have more time on the ball. You know, you're trying to execute your game plan and they're more aggressive now because they got nothing to lose. And it was a bit easier when they had that second man down, but you know, obviously they came back and tied it up. But I think we stayed to it, we executed, we got the goal back right away. So yeah, it was a fantastic win for our group moving forward. Obviously away in Orlando, it's always gonna be tough, and we're gonna look to do the same against Chicago on Sunday. Adi Raphael. Thanks, Pat. Hey, Joel. You played in the last game as a right center back. You were playing in the last few games as in the middle of those of this three-man defense. Do you have a preference playing on the right, on the center, on the left? Or I know you can play in all three positions, but do you have a preference? I mean, to be honest, as long as I'm on the pitch, I like the right side. It gives me a bit more freedom to move up and be in areas where I'm comfortable with the ball, being more part of the action, I would say. But I think being in the middle, you know, teaches you new things too. You have to be ultra defensive and make sure you're covering guys. And, you know, Rudy does a great job for us in that sense, setting the tone for the game, setting the tempo for the game. And, you know, at the end of the day, I like playing both positions and I'm just happy to be on the pitch. Jeremy Filosa. Hey, Joel, thanks for taking the time. When you have a stretch of games like this in front of you, seven games in 21 days, and obviously it's not going to be easy for anybody. You get guys, you know, tired, guys are injured. You know, some guys are unavailable for various other reasons. You know, what kind of mindset do you need to get into? I mean, is there a sort of a predisposed idea that, you know, I'm probably going to have to play when I'm not at my best? I'm probably gonna have to play when I'm suffering or I'm tired. And I know you want to play at your best, but you know it's not gonna be easy to do so. So what kind of frame of mind do you need to get into? That's a good question. Obviously, we knew, you know, this month was coming up in terms of the Canadian Championship as well, adding that onto our schedule. And you know, we had time to prepare individually and collectively, I think. It's never gonna be easy, you know, playing every 3-4 days, especially, you know, physically, but also mentally. Especially when you're traveling to places like Orlando, Columbus, back home, midweek, Halifax. You know, but we talked about it as a collective unit and we said, you know, this is the way it is. We can't complain. We can't use excuses. There's just going to be a lot of run of games coming up in this month and we're going to need everybody to play a big part in that. And
We have a deep squad for guys coming off the bench as well. We need guys to step up that, you know, might play every game. So depending on the situation, depending on the team that we play, you know, everyone's going to get a chance to play, and the guys are ready. You know, you see it in training. Our training's been good. Coach just talked about our intensity and our mindset during training. I think that's what it is. I think it's just staying in it, keep our mindsets focused on, you know, just one game at a time. Our focus is on Chicago on Sunday, and then it'll be on Halifax midweek, and then Columbus next week. So it's just taking it game by game and focusing on what we can control. Michel Lamarche. Merci, Patrick. Hi, Joel. Hope you're doing fine. I asked the coach a couple of questions about the role of a sub on a team, and you haven't done that a lot. Looking at your game log, I don't see you playing sub a lot coming into a game. But I was wondering, how hard is it for a player to come into the rhythm of a game, like in the 55th minute, 60th minute? Can you relate your own experiences in that regard? Yeah, it's difficult. I think, you know, when the game tempo has been set, you don't get that full time to really, really warm up the best as possible as you would in a pregame. You know, I've obviously been there. I've come off the bench, and it's a difficult thing. But, you know, coach always talks about being that spark, and guys know, you know, what their role is, and coming off the bench and the energy they need to provide sometimes. You look at Lassie coming off the bench against Orlando and getting the go-ahead goal for us. So substitutes are massive, you know, choices to be made. And obviously I'll leave that up to the coaching staff to make those decisions. But it's extremely difficult. But, you know, guys got to be ready at all times. Dave Lévesque. Hi again, Joel. You've been playing a few games lately, and it seems that you've been growing as each and every game was going. Is this just a matter of getting the rhythm of playing? It sure looks like it is, but I just want you to confirm that to me. Yeah, I think so. I think for myself, I just needed to get games. You know, obviously there's still some things I want to work on my game. I always want to work on my game, and I think I'm starting to set a new standard for myself, and I want to be that consistent guy that coach can trust in. And you know, yeah, I think it's just games. I think it's just getting games under my belt, getting repetitions, you know, being in those similar situations game after game. And it's been good for my game, and I just hope it continues. And last one, Michel. Merci encore, Pat. About Sunday's game, very quick question. What do you expect from Chicago, looking at the game you played against them earlier this year? So what are your expectations? Yeah, Chicago was a tough one. You know, they're obviously going to be physical. They're going to come out. They're going to press. They're going to try and impose their will on us, I think, physically first. You know, it's going to be a tough, tough game. We're going to be at home. It's going to be a good atmosphere, and we need to be ready for that press and that physicality, I think, and also just to, you know, focus on our game too, focus on the possession, our style of play. I'm sure you guys have seen it, and yeah, playing the ball, you know, making sure that we're playing quick because their press is going to come fast, and making sure that we defend in both boxes and or defend in one box and score in the other, and yeah, it'll be a great game and a great test for us. Thank you very much, Joel. Thanks, guys. Et finalement, c'est Emmanuel Maciel qui va prendre la relève. On va demeurer en espagnol avec Arcadio à la traduction. Alors, Manu s'amène bientôt. Levez la main, s'il vous plaît, si vous avez une question pour Emmanuel. Please raise your hand. Il s'amène à l'instant. Hola Manu. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Arcadio, t'es là? Oui, bonjour tout le monde. Salut, merci de faire ça. Est-ce que tu as une première question? Levez la main, pas tous en même temps. Michel, merci beaucoup. Hola, Emmanuel.
My Spanish is very bad. Arcadio, je travaille sur un filon depuis le début de la journée. Là. Je parle des réservistes. Le travail de réserviste, à quel point c'est difficile ou ça ne l'est pas peut-être d'entrer dans un match, par exemple, à la 55e, 60e minute, puis jouer un rôle particulier. J'aimerais que tu poses la question à Emmanuel, savoir lui comment il vit avec ça dans ces circonstances-là, comment il s'adapte à ce rôle-là quand il doit être appelé comme réserviste, comme quand il se substitue et qu'il rentre dans le match après la deuxième, le début de la deuxième demi. La pregunta, Manu, es el, sobre el rol del suplente, ¿no? Cuando te toca estar en el banco, no debutar el partido. ¿Es algo que te resulta difícil a vos entrar en un partido al minuto 55, 60? ¿Cómo lo vivís y cómo te preparás para tener ese rol? Sí, sin duda que no es fácil. No es fácil para mí. Entrar en el segundo tiempo, no es lo mismo que arrancar en el once inicial, pero bueno, es lo que toca este año, trato de cuando me toca, ya sea muchos o pocos minutos, aportar lo mío al equipo y bueno, tratar de sumar la mayor cantidad de minutos posible, como te digo, ya sea para ayudar al equipo y sí, sin duda que no es fácil, pero bueno, trato de tomármelo con calma, de estar siempre preparado, porque no sabes cuándo te puede tocar de entrada, si no, bueno, acompañando en el banco como siempre y tratando de dar lo mejor cada vez que me toca entrar, ya sea muchos minutos o poco. Il dit que c'est certain que c'est moins facile que d'être partant, mais pour le moment, c'est le rôle qui lui est confié dans les derniers mois. C'est certain que pour lui, il focus sur le fait d'enchaîner le plus de minutes possible et quand il a la chance de le faire, de donner ce qu'il a donné selon le rôle qui lui est donné, ce que le coach lui demande. Pour le moment, il est calme, il est prêt, il prend ça avec un certain calme, il est prêt à entrer quand le tour vient et quand il est sur le banc, ben, il est là pour encourager, pour donner tout ce qu'il peut aussi à ses coéquipiers, puis sur le terrain également. Donc, l'objectif, évidemment, pour lui, c'est que cette situation change, mais en attendant, il sait que c'est vraiment donnant tout ce qu'il peut donner lorsqu'il a la chance d'embarquer sur le terrain, qu'éventuellement ça va arriver. Monsieur Loza. Hola Manu, ¿qué tal? Espero que estés bien. Ha pasado un tiempo desde que hablamos contigo. ¿Cómo te has sentido aquí en Montreal? ¿Y dónde te ves el año que viene? ¿Te querías quedarte? Gracias. Hola, ¿qué tal? Sí, la verdad que quizá este año no se dio tanto como el año pasado, que por ahí tenía más continuidad. Pero bueno, como decía anteriormente, creo que uno siempre tiene que estar entrenándose bien, preparado para cuando le toque, tratar de aprovechar los minutos que sean, las oportunidades. Y bueno, hoy en día no pienso en el futuro, sino en hacer las cosas bien acá, seguir de acá a fin de año. Y bueno, después veremos, después de diciembre, qué pasará con mi futuro, pero bueno, me siento bien, cómodo acá, obviamente que me gusta siempre sumar mucho más minutos, pero bueno, eso también es decisión del técnico y bueno, uno tiene que seguir trabajando, tratando de demostrar y de respetar las decisiones, porque es así que, pero no, la verdad que en un futuro obviamente me gustaría quedarme acá, me gusta mucho, estoy muy adaptado ya, el grupo. Pero bueno, obviamente que no solo importa eso. La question de Jérémy était, comment tu te sens ici à Montréal? Aimerais-tu rester où tu te vois l'an prochain? La réponse de Manu, c'est que c'est certain que cette saison, il a moins de minutes, mais son focus n'est pas sur l'avenir, c'est vraiment sur le moment présent de continuer à bien s'entraîner, à bien travailler, essayer d'obtenir le plus de minutes possible. Il se sent bien ici, il s'est bien adapté autant à la ville qu'au groupe. Il aimerait rester, c'est certain. Après, évidemment, il veut jouer davantage, mais il respecte les décisions du coach et c'est à lui vraiment
avec le respect, le travail, que la situation pourrait changer éventuellement. Est-ce qu'on a une dernière question peut-être pour Emmanuel? Ou on termine? Non? Gracias, Emmanuel. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Merci, Arcadio. À toi aussi. Merci. Merci tout le monde d'avoir été là. On s'excuse pour les petits changements de dernière minute, des choses qui arrivent. Et puis, on se reparle après le match de dimanche. Match à 13h, je vous le rappelle. Merci.